Quevilly-Rouen 19e, encore l'espoir de se maintenir. Le promu n'a qu'un point de retard sur le 18e et barragiste et 4 points de retard sur le 17e. Les Normands vont tout faire pour battre le Paris FC. Le problème, c'est que l'adversaire a aussi des ambitions. Le Paris FC est à 3 points de la 4e place. Il y a encore beaucoup de belles choses à faire pour les Parisiens qui sont actuellement 8e au classement. Les premiers en action sont les joueurs franciliens avec ce ballon récupéré, un tir contré, une nouvelle chance avec un deuxième tir à angle fermé. Il est signé Souleymane Karamoko dès la 7e minute. Le Paris FC mène 1-0 à l'extérieur. C'est le premier but en Dominos Ligue 2 pour Souleymane Karamoko. Le PFC est bien parti dans ce match et les joueurs de Fabien Mercadal qui insistent. Une nouvelle chance sauvée par Johan Artok en deux temps. Difficile pour les supporters de Quevilly-Rouen, leur équipe est très dominée. Le PFC paraît bien plus à l'aise sur le terrain. 1-0 pour les visiteurs à la mi-temps. En seconde période, c'est à peu près la même physionomie. Très compliqué pour les Normands d'avoir des occasions. Pire, une énorme bêtise, un ballon remis de la tête en retrait qui repositionne Julien Lopez idéalement. Il n'est pas hors jeu. Et à la 57e minute, le PFC mène 2-0. Troisième but de la saison pour Julien Lopez. Les Parisiens semblent libérés, très à l'aise et réussissent à marquer le but du 3-0 à la 84e minute. Quatrième but pour Saïf Edine à la mi-baza. Pas d'opportunité intéressante pour les joueurs d'Emmanuel Dacosta. Quevilly-Rouen rate son match et le PFC en profite. Les Parisiens qui sont en train de se replacer dans la course à la montée. Nouvelle action très bien amenée, conclue par Dylan Saint-Louis dans les arrêts de jeu de la partie. 7e but de la saison pour Saint-Louis et le Paris FC a fait très forte impression. Les Parisiens sont lancés parfaitement vers une possibilité de place de barragiste. Le PFC s'impose 4-0 sur le terrain de Quevilly-Rouen.